Je crois qu'il faut parler également de la controverse de René Guénon à l'égard de la société théosophique. En fait, René Guénon va écrire en 1921 un ouvrage, Le théosophisme, histoire d'une pseudo-religion, où il attaque fortement la société théosophique sous différents aspects, les enseignements hindous ou bouddhistes, qui seraient en fait des enseignements bouddhistes occidentalisés, mais également Guénon attaque fortement Elena Blavatsky en lui reprochant de ne pas avoir eu accès à de véritables connaissances en Orient. Alors ce qu'on sait au niveau de René Guénon dans l'écriture de cet ouvrage, c'est qu'en fait Guénon à un moment donné va faire la connaissance de l'abbé Payob, qui va lui demander effectivement d'écrire cet ouvrage à l'encontre de la société théosophique à partir d'un certain nombre de notes que le père Payob avait par-devers lui et que justement il avait publié plusieurs fois à l'intérieur du journal La France anti-maçonnique, en s'appuyant aussi sur des dires d'un pseudo indien qui connaissait aussi un certain nombre de choses au regard de la société théosophique. Guénon reproche par exemple au théosophe de ne pas connaître le sanskrit. Or on sait que par exemple la plupart des théosophes avaient fait de grandes études en Angleterre, notamment le personnage sur qui j'ai eu l'occasion de travailler, Gina Rachadaza, a d'ailleurs étudié le sanskrit et la philologie à Cambridge. La plupart des théosophes avaient fait Oxford, Cambridge. Et Rada Burney, la présidente que j'ai bien connue également, l'avant-dernière présidente de la société théosophique, était diplômée de sanskrit. Donc les théosophes avaient quand même une maîtrise du sanskrit. Annie Besant va également travailler, traduire avec un indien la Bhagavad Gita. Donc il y a une connaissance quand même de la tradition indienne, du bouddhisme du Nord qui est relativement forte. Donc Guénon a profondément attaqué la société à cette époque. On peut considérer que cet ouvrage est une forme de commande à un moment donné. Pourquoi ? La société vient d'être effectivement montrée à l'index par l'Église catholique. On est en 1921, on va dire que c'est le moment le plus important, le plus fort, où la théosophie va avoir un réel impact sur la société. Et donc je pense qu'à un moment donné, il fallait un petit peu couper les ailes à la société de la part de l'Église catholique, qui avait d'ailleurs, au niveau de la congrégation de la foi, de sa commission, interdit aux catholiques de devenir membre de la société théosophique, de lire même des ouvrages ou des revues de la société théosophique. Donc quelque part à cette époque, en Occident, dans les milieux traditionnels, on a peur quelque part de la théosophie, du développement des autres traditions orientales en Europe, il y a une crainte. Et on peut se demander si effectivement l'ouvrage du Guénon n'est pas simplement une commande à l'encontre de la société théosophique par les autorités ecclésiastiques. En plus, à cette époque-là, un certain abbé Gourbeau avait une vision aussi de tout ce qui n'était pas catholique, était quelque part la source du mal, et donc les théosophes sont considérés comme des hérétiques. Et en fait, cette source du mal, pour cet abbé, se trouve dans une multitude d'organisations, dont la théosophie et la franc-maçonnerie. Alors, je voudrais dire également que, effectivement, Guénon commence à écrire des livres qui parlent surtout de l'Occident, hein, du christianisme, du christianisme ésotérique, de symbolique de la croix, les symboles sacrés, qui sont des ouvrages qu'on connaît tout
tout à fait de René Guénon, hein, et qui sont bons ouvrages. Mais par la suite, Guénon a une propension à vouloir être le premier, j'allais dire, de partout, hein, de vouloir être le premier à avoir une connaissance, ou prétendre à une connaissance, autant dans les milieux occidentaux, les traditions occidentales, que dans les traditions orientales, l'hindouisme ou le bouddhisme. Or, on sait que René Guénon n'est jamais allé en Inde. Il s'appuie sur des secondes sources, notamment du père Peyote, mais aussi d'autres écrits. Donc, ce n'est pas des sources premières. Et effectivement, dans le théosophie d'une histoire de pseudo-religion, on a beaucoup plus une attaque en règle et plutôt une non-connaissance, à un moment donné, de tradition que René Guénon prétend connaître absolument. Or, les théosophes, eux, sont partis en Inde, ont travaillé en Inde, ont côtoyé des Indiens, ont développé l'étude de la plupart des ouvrages sacrés indiens comme la Bhagavad Gita, le Mahabharata. Et effectivement, là on peut revenir aujourd'hui sur la pensée de Guénon, du moins en ce sens, au niveau de ses attaques, au niveau de la société théosophique. Alors, de nos jours, effectivement, il y a des critiques, hein, notamment au niveau de l'œuvre de René Guénon. Aujourd'hui, on sait un petit peu plus de choses, on comprend un peu plus de choses si on les remet dans le contexte de l'époque, qui sont celles de l'attaque de l'Église à l'encontre de la société, et notamment aussi, de l'autre côté, on pourrait dire, la volonté un petit peu hégémonique de René Guénon à être présent, j'allais dire, dans tous les domaines.